Eh bien, bonjour, c'est Tibrim. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner, comme à notre habitude, le montage d'un PC à budget réduit. Donc, qui va être plutôt focalisé cette fois-ci sur des jeux en 1050p, 1080p. Donc, vous allez voir d'abord la vidéo du montage avec petite démonstration pour ensuite passer sur le benchmark et on se retrouve tout de suite après pour les explications. Down.
Et on se retrouve maintenant pour parler de l'ordinateur en lui-même. Alors, en fait, sa fabrication, elle a consisté en deux éléments. Le premier, c'est l'utilisation d'un ordinateur OEM, enfin du fabricant, du style les Dell Optiplex qui sont très bien pour ça, c'est ce qu'on a, et les HP Compaq ou les Lenovo, qu'on trouve aux alentours de 150 € sur eBay et qui sont toujours équipés pour la plupart d'un i5 2400 ou d'un i3 2100, il me semble. Donc ils se revendent plutôt bien. Et on a juste rajouté, comme on peut voir hop, sur le bureau, une GTX 760. Ici c'est le modèle de chez MSI. Et en gros, ces cartes varient de 50 jusqu'à 80 €. On peut les trouver ailleurs. Il y a aussi, par exemple, on peut aussi trouver les GTX 680 et MI50 qui ont à peu près les mêmes performances, un peu au-dessus d'ailleurs, et qui peuvent être un tout petit peu au-dessus pour le même tarif. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Certes, c'est pas forcément complet. Vous avez vu que les benchmarks n'étaient pas de moi. J'ai essayé de prendre les benchmarks avec la configuration la plus proche possible pour ne pas manquer de précision. Mais voilà, j'ai pas eu l'occasion de faire plus de tests sur cet ordinateur-là vu qu'il est vite parti. Donc on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite de bonnes fêtes et de bonnes vacances pour Noël. Voilà. Bisous, à ciao.